Bienvenue à Mexico, où vous le voyez, la pluie et le froid sont arrivés, tout comme le cardinal Berton qui a débarqué dans la capitale mexicaine, le secrétaire d'État du Saint-Siège qui en quelque sorte est le premier ministre du Vatican, ou en tout cas le numéro 2 du Vatican. Il représente également le pape pour cette sixième rencontre mondiale des familles qui se déroule à Mexico. Il est son légat. Benoît XVI interviendra toutefois ce soir depuis Rome par liaison vidéo pour la fête des familles et de demain également pour la messe de clôture qui sera célébrée à Notre-Dame de Guadeloupe, justement par le cardinal Berton. Le cardinal Berton, qui a déjà rencontré une délégation de 80 évêques mexicains, il s'est ensuite rendu dans le centre Bancomer, le lieu de la rencontre. Vous le voyez sur ces images, il était très attendu, notamment par les plus jeunes qui lui avaient préparé une aide d'honneur. Le cardinal italien a ensuite conclu les travaux du congrès théologique et pastoral. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a évoqué une problématique qui jusque-là n'avait pas été évoquée. La famille, la justice et la paix. La famille, a-t-il dit, est le meilleur vecteur pour transmettre la paix. Elle est un patrimoine de toutes les époques et de toutes les nations. Ça, c'est une phrase qui a marqué l'assistance. Pour le cardinal Berton, la famille met en avant en fait tous les ingrédients nécessaires à la justice. Par exemple, elle promeut les droits de l'homme, elle permet également le dialogue entre les générations ou encore elle donne la considération de la personne, dit-il. Le cardinal Berton s'est ensuite rendu en salle de presse pour rencontrer les journalistes. Il a évoqué la question de la crise économique qui secoue le monde actuellement, une crise économique dont il a prédit un fruit positif, l'adoption de lois morales dans le système financier international. Et puis, pour conclure ce flash, je voulais vous montrer une image assez sympa, assez rare et assez touchante, celle du cardinal Berton qui bénit les journalistes. C'était dans cette fameuse salle de presse. Regardez. Si, de todo corazón. In nome del Santo Padre, Dio Padre Todopoderoso, Padre, Hijo e Spirito Santo, vos bendica, protegga e accompagni sempre, con tutte le vostre famiglie. Ustedes tienen familias. Voilà pour ces images assez sympas du cardinal Tarcisio Berton, secrétaire d'État du Saint-Siège, qui demain célébrera la messe de clôture de cette sixième rencontre mondiale de la famille. On se retrouve dans quelques heures pour faire un nouveau point sur ce qu'il se passe ici à Mexico.